Waouh, vous êtes toujours là, félicitations, vous faites partie des rares personnes qui restent engagées jusqu'au bout. Donc, vous venez d'intégrer quatre clés fondamentales pour retrouver de la vitalité. Et donc là, on va voir la cinquième clé. Bonjour, Sophie Monneret, coach de vie, médecin, fondatrice de Feel So Light et créatrice du programme Évolution Minceur. Quelle est cette cinquième clé si importante? Eh bien, il y a une notion à intégrer, c'est que la digestion demande énormément d'énergie. Et quand vous digérez, eh bien, toute votre énergie est centrée sur la digestion et pendant ce temps-là, cette énergie n'est pas utilisée pour vous détoxiner. Donc, plus vous mangez, moins vous vous détoxinez. Et surtout, plus vous mangez longtemps sur la durée, eh bien, moins vous avez de temps pour vous détoxiner. Les moments les plus forts où on se détoxine, ça va être les moments où on ne mange pas. Donc, c'est-à-dire, ça va être la nuit, essentiellement. Sauf si vous travaillez de nuit, mais en tout cas, pour la majorité des gens, ça va être la nuit. Donc, à partir du moment où vous arrêtez de manger le soir et le moment où vous reprenez votre alimentation du matin, eh bien, il y a un certain temps qui est très variable d'une personne à l'autre. Eh bien, plus ce temps-là va être long, plus votre corps va utiliser toute son énergie pour se détoxiner. Donc cette semaine, prenez juste conscience de quel est ce laps de temps pendant lequel votre corps est au repos et donc pendant lequel votre corps se détoxine. Peut-être que vous finissez de manger à 22h et que vous recommencez à manger à 6h, 7h. Donc ça fait 7, 8, 9h où le corps s'arrête de manger. C'est vrai, la digestion du soir, donc on va dire qu'il y a au moins 2-3 heures de digestion. Donc si vous recommencez à 6 heures du matin, ça vous laisse quoi? 6-5 heures de jeûne, 5 heures où votre corps peut se détoxiner, ce qui est extrêmement peu. Donc plus vous allez agrandir ce laps de temps, plus vous allez retrouver de la vitalité. Donc cette semaine, vous allez voir, vous allez faire de votre mieux et voir chaque jour comment vous pouvez gagner. Comment vous pouvez manger un tout petit peu plus tôt, comment vous pouvez reprendre votre alimentation du matin un tout petit peu plus tard. Et progressivement, allongez ce temps-là de détoxination. Et faites de votre mieux, sans pression. Juste déjà, prenez conscience que c'est pendant ce temps-là que vous vous nettoyez. Le sommeil est important parce qu'on se nettoie énormément. Et c'est là qu'on recharge les batteries, c'est là qu'on se détoxine le plus. Ok, c'est parti pour cette semaine. Focus sur ce laps de temps et surtout faites de votre mieux. Pas de pression. Ok, partagez sur le groupe vos réussites, vos challenges, vos difficultés. On est là pour échanger, se soutenir. Donc partagez. Et si vous pensez que ces 5 clés peuvent vraiment aider des femmes qui vous entourent, eh bien, transmettez-leur le lien pour qu'elles puissent s'inscrire et vivre ces 5 semaines de détoxination. Ok ? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez, likez, partagez et on se retrouve de l'autre côté sur le groupe. À très vite. Au revoir.